Eh bien, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui avec moi sur Gravity Rush, ici Sora. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme je l'avais dit hier, pour l'histoire avec Kat. Car tout simplement, je vais faire la fin du monde. Voilà, les dernières quêtes. Donc on va juste gravir le pilier. Donc voilà. Hop. Attendez. Oula. Attendez, hop. Oui, attends pas. Il est fou. Bon bah voilà. J'arrivais pas à voir mon stream. Donc. Hop, voilà, on va revenir en ville. Bah tu se déplaces là? Oui, il se déplace. Bon, on passe. Alors aussi, je tenais à préciser que vous savez pertinemment que, qu'en général, je réponds toujours aux commentaires de mes abonnés. Et là, hier, je n'ai pas répondu aux commentaires, enfin aux deux commentaires de Yukitsune. Parce que justement, je voulais en parler dans la vidéo. Parce que justement, je m'étais demandé pourquoi Raven. Ah oui, d'accord, t'as pas rien, pas s'ouvrir. Pourquoi Raven s'était fait enfermer. Donc, quand on monte le pilier, bah, justement, on va voir ça. Ah oui, d'accord, je cherche la carte là-dedans, moi. Super. Pourquoi Raven s'est fait enfermer avec poussière et Kat? Le tube du moment. Et pourquoi. Bah non, sur le noir, je suis con. Et la deuxième question, c'était pourquoi. Enfin voilà, c'était qui avait ouvert la fenêtre de la chambre de. Bah, de la reine Alua. Et là, Yukitsune a donné ses avis dans les commentaires YouTube, bah on va voir ça maintenant. Donc pour la fenêtre de 4, donc la personne qui ouvre la fenêtre de 4, Yukitsune dit, et c'est forcément Sid qui kiffe 4 qui veut faire la fenêtre, qui lui a déposé le beau cadeau, qui a sauvé le monde. Alors, avec hashtag c'est beau l'amour, ça me fait marrer. Et donc, personnellement, je ne pense pas que ce soit Sid qui l'ait fait. Un 10 au trésor. Et je ne pense pas que ce soit Sid qui a ouvert la fenêtre, moi personnellement, mais je pense plutôt que c'est le vieux qui l'aurait fait. Enfin, tout meilleur, on va voir ça beaucoup plus clair. Oui.
Enfin voilà, moi je pense que c'est le vieux, donc on verra ça de toute manière tout à l'heure. Enfin je vous dirai pourquoi je pense que c'est le vieux. L'océan du néant va bientôt déferler sur le monde et le plonger dans les ténèbres. S'il te plaît, réponds-moi, qui es-tu? Qui suis-je? Une porte dérobée s'est ouverte, pas en quête de ton identité et de fial à la lumière qui repousse les ténèbres. Oh, c'est mignon. La fin du monde. Donc je vais en parler tout de suite du deuxième commentaire de Yukitsune. Donc sur pourquoi Raven s'est fait littéralement enchaîner en bas, pourquoi s'est fait emprisonner, pourquoi poussière et poussette aussi. Donc Yukitsune dit, à mon avis, Raven poussière et poussette ont été enfermés pour ne pas que Alua ne se souvienne de... Oula. Pour que Alua ne se souvienne pas de Kat. Pour que Alua ne se souvienne pas de Kat. Oui d'accord, j'ai complètement oublié. Mais même pour moi, il y a. Enfin. Alors, personnellement, sur ton commentaire, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est comment est-ce que déjà Kat a fait pour perdre ses souvenirs? Ça, c'est une question que je me pose. Quelque chose en toi m'a appelé ici. Comment ça? Tu te souviens de cet endroit avec cette femme qui te ressemblait? Ah, je savais bien que tu étais là à ce moment-là. Je ne sais toujours pas si c'était un rêve ou si c'était réel. Mais depuis ce jour, c'est comme si je pouvais entendre ta voix dans ma tête. Alias s'est apparu et m'a mis en garde. Il dit que je devais arrêter l'océan de ténèbres qui va se déferler sur le monde. Il a dit que le moyen de sauver la ville m'attendait au sommet du monde. Il savait que ce serait un voyage périlleux. C'est pour ça qu'il t'a envoyé seul. Ouais. Enfin, quelque part, vous parlez d'un mort, hein, quand même, mais... Je sais pas. C'est le retour d'Alias, mais ça choque personne, en fait. C'est... Enfin, bon. Et c'est aussi pour ça que je devais venir à... Ah, que je devais venir à toi. Ensemble, on sera plus forte. Ah, c'est drôle quand on y pense. La première fois que l'on s'est rencontré, tu me détestais, on a fait du chemin depuis. Inutile de ruminer le passé. Tu as raison, on devrait plutôt penser au futur. Exactement. Allez, une longue route nous attend. D'ailleurs, je t'ai précisé que la lune qu'a Raven sur son, au-dessus de sa poitrine, Kat est là au milieu du ventre. J'avais jamais fait gaffe. Enfin, sur sa tenue, hein, Kat est là, mais là au milieu du ventre. Oh oui, oh putain, c'est pour moi chiant. Allez. Salut à toi. Ah d'ailleurs peut-être que je vais remettre le stream. Du coup je suis parti lire les commentaires mais j'ai pas remis le stream. Oui je sais, mes pouvoirs sont limités, patata. Dans le pilier du monde. Mais cette fois c'était pour descendre. Salut les viewers! Hop. D'ailleurs j'ai oublié de vérifier si on pouvait. Il se passe quelque chose d'étrange. Alias par exemple. Ah bah ça y est, putain, vous posez les questions que maintenant quoi. Hop. Avec lui on ne sait jamais de quel côté il est. Je vous rappelle que vous l'avez tué déjà à la place, mais c'est pas grave. Enfin, que Kat l'a broyé plus exactement. Hop. Oula. Comment tu crois que le pilier du monde a été créé? Tiens, j'avoue, c'est une question que je me pose.
Enfin, il me semble que c'est expliqué quand on... Quand on monte tout en haut, il me semble que c'est expliqué. Enfin, j'ai bien dit, il me semble, hein. Je dirais que pour l'instant, c'est ma question. Je sais pas comment le pilier du monde est expliqué. Mais surtout comment les villes peuvent flotter autour de ce pilier. Enfin bref, plein de questions intéressantes. Hop. Raven, elle est en gravité là? Ah, oh oui. Ah, genre j'ai vu le temps. Putain, ça met du temps à apparaître en plus. Saute. Pourquoi ma balle réapparaît pas? What? Attends, je l'arrive en cas où. Putain, ma barre ne réapparaît pas. Oh merde. Oh merde, elle était déjà cassée. Ah, ça va être chiant ça. Ouais. C'est bon, je suis bloqué. Allez, saute. Ah, mais y a pas des gemmes ou des... Enfin, les gemmes bleues. C'est vrai que je regarde full au-dessus en fait. Putain, il en a mis du temps à réapparaître. Ah, putain, ça veut dire que je peux pas lancer ces choses-là. C'est cool ça. Merci, Kat. Ah mais... Ah. D'ailleurs je pensais que ça m'aurait remis ma tenue normale mais au final pas du tout. J'ai gardé cette tenue là. Il y a encore des trucs. Ah la vache. Ah oui ici putain je vais avoir du mal à me rattraper. Ah non mais te mets pas devant s'il te plaît. Attends, saute! Attends, en plus, doit rien avoir. Voilà. Je pense qu'il faut. Ah, mais descends pas! Je sais pas où est-ce que j'aurais pu les avoir, les quêtes là. Pas du tout. Oula. Kat, calme-toi s'il te plaît. Je sais pas ce que c'était ce bug, mais bon. C'était fort bien amusant. Ah oui d'accord, j'aurais pu faire ça directement. Mais je sais pas comment on les récupère, c'est les projectiles. Par contre, de jouer con esquive, c'est très chiant. Ouais, bah oui, forcément. Putain, mais. Aïe.
Putain, je vais pas réussir à remonter à la hauteur du bordel. Putain, mais 4 elle veut pas. Là. Là, normalement, je pense que je vais l'avoir. Oui! Bon. Là. Oh putain, juste avant. Ah non, oui, d'accord, c'est qui s'est pété, d'accord. Allez. Ah, bon Dieu. Oh, voilà. Putain. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Attends, y'en a là. Oui, attends. Attends, tu veux bien que je galère, ramène, s'il te plaît. Faut que je fasse gaffe parce que c'est pour ça que la sortie est. Et pas loin. La galérance. Nickel. Non mais là ça... Ah si, ça marche. D'accord. Super. Eh oh, ça suffit. Du coup maintenant, et voilà. Là oui, on les a de manière presque illimitée. Bon, autant en profiter, écoute. On peut aller là-dedans. Si je pouvais voler sans jamais m'arrêter. Ah, le chat. Ah, c'est fermé. Ah, mais ça se trouve derrière. On aurait pu être un voyage sympa en solitaire. Tu m'étonnes. Tu as l'air plus heureuse quand on voyage ensemble. J'arrive enfin à tolérer tes avis. Merde, j'ai pas eu le temps de lire le dernier mot. Bah oui, j'aurais pu me mettre au style Jupiter pour voler plus rapidement, mais bon. Ah oui, les tablettes. C'est là l'imitation. Oh, double coup de pied. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce moment là et ça me fait plaisir de le refaire. Putain mais... Tu me saoules, merde.
Enfin, je regarde s'il y a moyen de redescendre le pilier. Bon, on va y arriver, moi je te le dis. Par contre, j'avoue qu'ils sont beaucoup plus résistants ceux-là que ceux qui se trouvent en bas. Ah bah après, il va falloir descendre par là. Ah, GG. Bon. Ah putain, mais j'ai le son. On se calme. Pourquoi j'ai pris tarif quand même? Ah oui, c'est ça, oui, le délire. Ah putain. Je l'avais oublié. Je vais quand même garder ces espèces de bulbes ou je sais pas ce que c'est là. On dirait d'énormes spores en fait. Surtout ça que ça me fait penser. Alias se dit que je rencontrerai Sid. Après l'escalade du pilier. Avec ce type, tout est possible. Sid, il a toujours eu un truc étrange chez lui. Ses yeux, il a les yeux jaunes. D'ailleurs, c'est une bonne question parce que sur Vita, il faudra que je re-télécharge le jeu. J'ai un peu nerveuse de ce qu'on va trouver là-haut. C'est une question que je me pose. Mais sur Vita, j'ai pas souvenir qu'il avait les yeux jaunes, Sid. Faudra que j'y rejoue. Moi aussi, mais tant que nous serons ensemble, il ne se passera rien. Il doit trouver là-dedans. Ah, non, c'est pas là-dedans. Voilà. Bah tiens, bonjour. Putain, il m'a chopé au plaval. Putain, GG à toi. Hein? D'accord, super. Ah, je pensais pas que c'était lui que j'aurais, hop. Ouais, d'accord, je vais chercher justement. Par contre, pourquoi elle a un temps de récup là, 4 en fait? Parce qu'il me semble qu'elle se téléporte beaucoup plus rapidement que ça. Non. Oh bah si. Ah oui, putain, elle a une putain d'allonge là, 4. Ça va aller? Oui, le chat! Pourquoi tu miaules?
Je dirais que si j'aurais pu passer l'escalade du pilier. Bah, le chat t'a fini, oui. Est-ce que t'as fini le chat? Oui, c'est à toi que je parle. Est-ce que t'as fini de gueuler? Hein? On a déjà voyagé comme ça auparavant. Trop l'intérieur. Ouais, pour ça, faut trouver le. Ah bah là. Oh yeah. Ah oui. Oh putain, j'avais oublié celui-là. Ah, qu'est-ce qui se passe? La caméra. Ah merde. Allez. Tu m'as fait peur, je t'ai vu à l'envers. Putain, mais des fois elle veut pas faire le son ressort, c'est bizarre. Ah putain. Allez. Attends, je vais me poser sur le glaçon. Hop. Mais le chat, pourquoi tu miaules? Le chat. Ça suffit. Chut. Ça suffit le chat. Oh. Ça y est, chez. Il est parti de son quart d'heure, je miaule pour faire chier tout le monde, mais je sais pas ce que je raconte. Le chat! Allez, saute! Ah, c'est là? Voilà. Ouais, alors non, j'ai vu ça que ça va reprendre. Ah putain, super. Bah écoute, on va y aller à votre bourrin. Allez. Alors oui, ce serait beaucoup plus rapide d'esquiver les glaçons, mais enfin d'esquiver les glaçons. De sauter sur les glaçons pour faire ça, mais le problème c'est qu'avec les dévis, je vais prendre des coups inutiles et ça va faire retomber donc. Oh attends. Qu'est-ce que tu fais là, Kat? Hop, nickel. Ah merde.
pas. Ah, c'est Raven. D'accord. Je me disais, putain, il y a un truc bizarre. Bon. Bon écoutez, je vais te pause pour YouTube maintenant et on reprend juste après. À tout de suite.